Bien, nous allons commencer donc le shiur de Shulchan Aruch. Nous sommes toujours donc dans le Siman Kouf, Chafret, Ilchot Nesiat Kapaim, les lois de bénédiction des Kohanim. Nous approchons bientôt de la fin, donc, mais on en est encore dans ce long Siman de 67 films. C'est la page Shin Ayin E. Seif Nunbet. La semaine dernière, on a parlé des moumimes, défauts. Le défaut des Kohanim, en fin de compte, on n'est pas tellement matmide sur les défauts, puisque si on s'habitue, si ce sont des Kohanim qui habitent la ville et on est habitué à les voir, on n'est vraiment pas matmide sur eux, et en particulier s'ils se cachent le visage, les mains, pendant des fêtes Kohanim, ça ne pose pas de problème. Donc, Moumbet, tu l'as donc. Comme une bête, on parle une bête. C'est une bête. C'est une bête, mais dit, non. Haïm, tu as dit une bête. Mais non, pas du tout, on n'est pas une bête. Une bête, tu as dit. Tu m'as dit oui. Parce que lui dit non. Pourquoi tu dis non? Pas du tout, je regarde. Regarde, regarde ici. Voilà. Il y a écrit 25 octobre. Une moune bête, c'est fini. Si vous faites un peu de silence, vous avez caché un fatigue. L'Oaïa Bo Echad Mea Devarim Mea Kevin Messia Tapel. Si il n'y avait pas chez ce Cohen, il y a un certain Youssef Malik qui a posé les usins en Guadeloupe. Très bien. Mon ancien beau-frère à mon père. Magnifique. Il a quitté Israël. Il a quitté maintenant. Oui. Tu ne supportais pas la chèvre d'Israël. Sur Guadeloupe. J'ai appris l'année dernière que mon père était né le jour de la Yumla du Roi Haïm. Loyabo Echad Mea Devarim Mea Kevin Nisiad Kapaim. S'il n'y avait aucune chose qui empêcherait le Kohen de faire Birkat Kohanim, Afalpi Sheoura. Mais Alelim ou Beliaal, ve Aspanim, ve Eno Medadek ben Bizvot, ve Chola Ameraneni Nacharav. Non, c'est capable. Oui. C'est quoi Ram et Alelim? Même si c'est un homme mauvais, mais Alelim, c'est dans le même sens, quoi. Ou Beliaal, ça veut dire un sauvage. Ve Aspanim, il est chutzpanique. Grossier, mais non, mais d'agdag de mitzvot, il n'est pas vraiment scrupuleux dans les mitzvot. Le chol ha'am meranenin acharav, et les gens ils parlent beaucoup sur lui parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, un homme pareil, est-ce qu'il peut faire des fêtes Kohanim? J'étais chez Rabba ce Shabbat, moi, en tant que j'étais chez Feshain tout à l'heure. Ne sait capable. Je ne connais pas. Ici, là. Allez. On a plein d'air. Pas trop. Voilà. Ne sait capable. Il fait Birkat Kohanim. Chez Mitzvah Tasei, les Chol Kohan, il sait capable. Car chaque Kohen a la Mitzvah de faire Birkat Kohanim. Venom Rim Laracha, Osef Racha. Osef Racha. On ne dit pas un homme mauvais. Tiens, rajoute encore une Avera. Comme Youssef, il rajoute. Al Rishatecha, sur ta méchanceté. On est à la Lacha, Nunbet, à la page Shin Ayin E. C'est Gematria Eliaou. Bien. Vea Menda. Voilà. Vea Mne A Min A Mitzvot. Il va s'empêcher. Et ne l'empêche pas des mitzvot. D'accord? Ve al titma ve tomar. Ne t'étonne pas. En disant, matoil birkat et diotze. À quoi ça va servir la bénédiction d'un tel homme? Tu pourrais poser la question.
שאין קבלת הברכה תלויה בכהנים, אלא בקדוש ברוך הוא, ce ne sont pas eux qui donnent. Eux, ça passe par eux. C'est ce qu'il dit. שאין קבלת הברכה תלויה בכהנים, le fait de recevoir cette bénédiction ne dépend pas de, du Kohen. אלא בקדוש ברוך הוא, mais ça vient de Dieu directement. שנאמר ואני אברכם. C'est moi qui bénis. Et même si on parle sur lui, sur des grandes averot, kegon, gilouya rayot, les mariages interdits, même si on sait que la rumeur est vraie. D'accord? Va filou over. Même s'il a transgressé. Il n'a pas fait de chouva sur son avis. Il ne sait capable. Il fait des quatre koanim. Chutz michilu Shabbat de Pharisia. Sauf si le Mechal est le Shabbat de Pharisia, Shoukenoch et le Chazbavar, quand on est considéré vraiment comme un. C'est entre parenthèses. Hein. Car aucune avéra n'empêche un Kohen de faire la Birkat Kohen. Et la Memir date, sauf celui qui est Chas de Shalom, c'est un vrai renégat, il a épousé une autre religion. Moi, là où je travaille, ils font tout sauf les Brit Milot. Je n'ai pas de Brit Milot dans une synagogue, mais il n'y a pas de Brit Milot. Comment ? Ou Shfirut Damim, et aussi Shfirut Damim s'il a tué un homme, Chas de Shalom. Mishum Yedech Em Damim Malou. Comme on a dit, on a parlé de ça déjà précédemment, car il a les mains pleines de sang. Donc, il ne peut pas lever ses mains pour bénir les gens. Bien. Voilà, d'après ça, il a mis ça pour ce cas-là. Il a mis ça pour ce cas-là. Hein. Il a dit clairement, là. Il a dit clairement, là, on parle d'un rachat. Là, on parle vraiment d'un rachat, et là, il nous amène le pasouk. Ah, Mato il birkat ediot ze. Ah, non, c'est peut-être pas. En haut, tout en haut, mais. Toi, tu vas dire à quoi ça va servir la bracha de cet homme-là. D'accord? Tu voudrais faire passer cet homme-là dans cette bracha. Mais là, on te dit, c'est différent de Birkat Kohanim. Ce n'est pas lui qui donne la bracha. La bracha, elle descend de Dieu. Amen, amen. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le psa de Al Matoil Birkat Ediot. Non, c'est pas ce que tu veux dire. C'est autre chose. C'est pas non, c'est pas c'est autre chose. Alte Birkat Ediot Kalabe Necha, c'est pas dans ce cas-là. Hein. Ouais, non, c'est pas ça. Madame, j'ai appris qu'il faut sous-estimer aucune bénédiction de qui que ce soit. Même un non-juif qui te bénit. C'est vrai? Même un goy. Un homme juif qui te bénit. Oui. L'évêque de Paris. Salut Gégé. Le Kadish à Buffon. Mon père est venu faire le Kadish. Il vient une fois par an, pour ses parents. L'évêque de Paris. L'évêque de Paris. C'est celui d'avant, là, Lustiger. Avant Lustiger. Non, Lustiger lui-même. Il vient à Buffon. Et c'est mon père. C'est un cardinal, lui. Je ne connais pas trop dans les. Bah, il était après, il est monté. Je ne sais pas c'est quoi les grades dans ce domaine-là. Voilà. Il faisait Kadish pour son père. Ouais. Ah, tu vois, c'est quelque chose que. Dingue. Il y a un flelou aussi. Ouais, mais tu n'es pas comme l'autre. Ouais. Non, Gimel. Mais de varem amour et tout ce qu'on a dit précédemment, hein, c'est dans quel cas. C'est quand ils transgressent les mitzvot qu'il n'y a pas de différence en Israël ou en Kohen. D'accord? Mais s'ils transgressent une mitzvah qui est réservée pour les Kohen, que les Kohen. Là, les Chachamim nous ont fait un klas. Parce que s'ils transgressent les mitzvot que tout le monde transgresse, bon, d'accord? Mais là, c'est d'après les mitzvot que les Kohanim n'ont pas le droit de faire. Et lui, il est transgressé. Il ne se considère pas comme un Kohen, alors. Peut-être. Pourtant, on a vu juste avant Gilouya Rayot.
Mais ça c'est une interdiction pour tous les juifs. Non, non. C'est pas mais que le pour Cohen, les Cohen, il a des relations qui lui sont ouais, propres, qui les sont interdites, non c'est pas, peut-être qu'ils vont en parler, c'est pas le cas de... De pas ça, ok. Knasu Rachamim, Rachamim lui ont mis un knas, tu comprends? Ou psalou, et ils l'ont rendu inapte. Nikol ma'alot ha-kohanim, akiuna, de toutes les grandeurs qu'on doit donner au Kohen. Par exemple, Kohen shenasa grusha, un Kohen qui se marie avec une femme divorcée. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. En Israël, il a le droit de se marier avec une femme divorcée. C'est réservé pour le Kohanim, cette halakha. Il transgresse cette halakha. Au chalutza, ou bien une chalutza. D'accord? Ou chenit malamet, ou bien qu'il ne fait pas attention à tout matmet. Un juif, il a le droit de se rendre tamé pour un mort. Un Kohen, non. Lui, il ne fait pas du tout attention à ça. Chez un homme, Isaïn, mette mitzvah, qui ne font pas partie donc de cette mort, qui c'est une mitzvah de les enterrer. Et non, ne c'est capable. Lui, il ne fait pas Birkat Kohanim. Veno agimbo kedusha, afilu likrod bator arisha. On ne lui donne même pas la kedusha d'être appelé en premier dans la Torah. Il me semble qu'ici, il y a un Kohen qui est marié avec une Goya. Ici, dans cette chose. Et il ne monte pas là-bas, il ne fait pas Birkat Kohanim. Le d'une Goya, a priori, ça concerne tous les Juifs. N'est-ce pas? C'est ça que ça m'a. Je ne sais pas quoi que c'est là. La filou, il dit la filou Girsha ou Meta, Pasoul. Même si même si cette groucha avec laquelle il s'était marié, cette femme divorcée avec laquelle il s'était marié, il l'a divorcée. Ometa, ou bien elle est morte. Il est quand même, il reste avec son psoul, avec son défaut. Ad sheyidor ana sheyadur ana'a al da'at rabim et anashim sheu asubem. Tant qu'il n'a pas fait un vœu devant un rabim qui ne reprendra pas une femme comme celle qu'il avait auparavant. Quand on fait un neder al da'at rabim, on peut faire un neder avec une kavana particulière. Donc les gens, ils entendent que ce que tu dis, mais toi, tu avais une autre kavana dans la tête. Ce n'est pas ça un neder al da'at rabim. Tu fais un neder al da'at sur l'esprit que les gens, ils ont de ton neder. Là, on ne peut pas faire de atarat nederim dans un cas pareil. Donc là, il sera obligé de tenir sa parole. Aval keshelo yadur al da'at rabim, mais quand il a fait stam un neder, pas al da'at rabim avec l'esprit, avec la kavana du rabim, Eddin, shema yaler etzel chacham, et yishal al nidro, peut-être qu'il va aller chez un rab, il va lui enlever son neder. Le fichier yitzro tant qu'il faut la harayot, parce qu'il est attiré vers toutes ses averot. Aval benit malamet en sarer l'idor. Par contre, si c'est quelqu'un qui avait l'habitude de se rendre tamémet, alors qu'il n'a pas le droit, ben, il a décidé d'arrêter. Si tu peux leur dire dans le mal. Si vous pouvez enlever vos micros, ça serait gentil. Aval benit malamet, mais si c'est quelqu'un, c'est un Kohen qui s'est rendu impur par le mort, donc je ne peux pas dire qu'elle connaît, parce qu'elle a l'habitude de faire cette affaire. En sarer l'idor, elle a daïch et yashuv. Lui, il n'a pas besoin de faire un éder qui va arrêter de se rendre impur. Elle a daïch et yashuv et qui belle à la shalom yitma od la meti. Il est suffisant pour lui qu'il décide d'arrêter et qu'il fasse des chouvas sur ce qu'il a fait auparavant. Et là, il pourra monter et faire des quelques. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans le Nounbet et Nungimel? Dans le Nounbet, on a appris qu'aucune avéra, a priori, rend inapte un Kohen, sauf si c'est quelqu'un qui a versé le sang, n'est-ce pas? Dans le Nungimel, on dit qu'il y a quand même des avérotes qu'un Kohen, qui rend inapte un Kohen. Ce sont les avérotes qui concernent que les Kohanim. Si c'est un Kohen qui fait ces avérotes-là, ça veut dire qu'il s'exclut. En quelque sorte, des Kohanim. Donc, il ne peut pas monter. Il faut faire des fêtes Kohanim. Maintenant, s'il fait tshuva, alors il y a une différence. S'il fait tshuva, par exemple, sur le fait de s'être marié avec une groucha, une femme divorcée, alors il faut qu'il fasse un éder al-da'at rabim,
Et si c'est qu'un Kohen qui avait l'habitude de se rendre impur, tout matmet, l'impureté donc, qui est donnée par la mort, à ce moment-là, il suffit qu'il fasse des chouva et qu'il prenne la décision de ne plus se rendre impur. Nun dalet. Yesh omrim she Kohen she yesh lo bat she zinta arusa o afilu nesua o she mira שמנסתם זינתה את אביה היא מחללת ואין מחויבים לקדשו עוד לקרות בתורה ושבוע. Certains disent, je veux dire à la place de Dov, parce qu'il a mal à son truc, Dieu lui envoie une fois chez les mains, c'est le Mordechi en bas. Il y en a qui disent que, donc le Mordechi, le Posek, il dit que si c'est un Kohen qui a une fille qui s'est mal conduite, parti se marier avec... Non, pas marié. Chez Zinta. Elle a fait prostitution. Non, pourquoi? Chez Zinta Arusa, elle était fiancée avec quelqu'un ou elle était mariée avec quelqu'un. Là, oui, c'est avec un autre. D'accord, c'est Echetish. Ou chez Mira, ou bien carrément elle s'est convertie à une autre religion. Si c'est dans un cas pareil, chez Minastam Zinta. Si elle a fait ça, c'est que certainement elle est partie avec un autre homme. D'accord? Zinta est à vie. Elle a rendu en quelque sorte impur son père, comme c'est marqué. Et à vie à imechalelet. Une fille qui se comporte mal, elle rend halal son père. D'accord? On n'a plus maintenant l'obligation de lui donner une certaine kedusha à cet homme, car il est devenu halal, c'est-à-dire qu'il a perdu son titre de Kohen par le mauvais comportement de sa fille. C'est un pasouk. Et ta vie a imé halal. C'est un verset. C'est-à-dire que ça va dépendre de notre bon jugement, notre miséricorde. C'est quoi? Parce que là, c'est vrai. Apparemment, il dit on peut encore. On n'a aucune obligation de le faire monter par Richard. Ça ne lui est pas interdit comme l'autre cas avant. Où là, on a vu qu'il ne peut plus monter Rishon par ces choses-là. Là, c'est... Il ne perd pas vraiment le titre de Kohen. Parce que malgré tout, c'est meilleur. On n'a plus l'obligation de l'honorer à faire monter Kohen. Si tu veux le faire monter Kohen, pourquoi pas le faire monter n'importe qui comme ça, un juif, malgré tout. Il n'a rien fait, lui. C'est sa fille qui a sa maladie. N'est-ce pas? Il ne devient pas moins qu'un Israël. Mais le titre de Kohen, il est halal. L'écran de Batora Rishon, la plaie première en Torah, ou Shah Mahalot Akeuna, ou bien toutes les Mahalot, toutes les grandeurs qu'on donne à Kohanim. Mais il doit faire Birkat Kohanim. Chez En Shah Averot, Monim, Nisiat Kapaim. Car, comme on l'a dit précédemment, dans Nun Bet, les Averot ne nous font pas perdre le pouvoir de faire des kakon. Afilo Enbo, même si c'était chez lui, c'est Avera. N'est-ce pas? Même si c'est chez lui, c'est Avera. Alors, oui. Alors, c'est plus forte raison, c'est sa fille qui fait l'Avera. On ne peut pas le mettre. Et quand chez Gan Bebeto, il y a plus forte raison si c'est sa fille. Et mets entre parenthèses, c'est la vie du Mordechi. Velo Nagoud Kedivrehen. On ne tient pas comme leur avis. Les filles, parce que, selon Neymar et Tavi, il m'a dit que chez Zinta et Dim Beatra, dans le passage qui parle comment? Le passage qui dit et Tavi, il m'a dit que cette fille-là de Cohen, elle profane son père, c'est dans un cas bien précis. C'est quand elle a fait Znout avec des témoins, Beatra a une mise en garde. Ça va loin, n'est-ce pas? Ou que chez Eidou Bifne Sanhedrin, et quand on a témoigné devant le Sanhedrin, Aval Arshav, dans notre époque, Noagimbo Kedusha le Chol Dava, on leur donne la Kedusha au Kohanim, même si ses enfants se sont mal courants. Nun E. Bon, ça, c'était l'avis du Mordechi, et pas seulement le Mordechi, je pense que certains disent. Abîme, que la fille qui se comporte mal, elle fait perdre le titre de Kohen à son père. Pour le sujet, de le faire monter Rishon et de lui donner toutes sortes de grandeur.
Moi, le Fiat Kapaim, non. D'accord ? Parce que même lui, s'il faisait Znout, il ne serait pas disqualifié. Donc, elle va remercier sa fille. S'il fait Znout, elle ne va pas disqualifier son père. N'est-ce pas ? Mais il dit, de toute façon, on ne tient pas comme ça. Nun et. Et halal. Un halal. Qu'est-ce que halal, un Kohen halal ? Déshonoré, c'est ça ? La traduction. Aïnou, on va expliquer ce que c'est. Ce serait mieux que donner une définition. De ce, sont des, ce sont des termes qui n'existent pas vraiment en français. Le halal. Aïnou, voilà, on va donner la définition du halal. Anolad meisuve keuna. Il est né par une interdiction de Kohanim. Par exemple, chez une groucha, son père c'est un Kohen, c'est marié avec une groucha. Ils ont eu un enfant. L'enfant c'est un Kohen, le père il est Kohen. Mais il est appelé halal. Parce que le père n'aurait pas dû se marier avec une groucha. Une divorcée. Il est Kohen halal. Ouais. Il est Kohen halal. Ouais. Ou bien une zona. Ou bien une halala. Une femme qui est inapte au Kohen. Pour une autre raison. Et non, on s'est capable. Cet enfant-là ne fait pas birkat kohanim. Le fichier est non, mais qui ou non. Il n'est pas vraiment dans, sa, dans, sa, dans la catégorie du Kohen. Tu comprends? Il a un degré inférieur. Mais Roukézar, il te dit encore l'Almorazagan, plus encore. Il est vraiment comme un. Comme un comme, il n'a rien à voir avec la Kéouna, celui-là. Le Choldava. Comme au Shikatou, Ben Ezra. Ben Aizer. Siman Zayn. Il fait rare. C'est pour ça que s'il fait Birkat Kohanim, là, il transgresse un assez. Il transgresse une interdiction de la Torah. Comment on le trouve ? C'est bête. Je ne me souviens plus, tu vois. Je vais regarder. Là. Parce que j'ai un peu de mémoire. Zachena ça est capable à filou im a kohanim mover ba asesh nemar daber el aaron ve el banav kol devarach ol ben israel ve lo zarim. La Torah ordonne au kohanim, je déduis de là qu'un autre n'a pas le droit de faire, donc il transgresse un assez. Voilà, pardon, im no se capable ba asesh, c'est bien assez que mo zachena ça capable, comme un étranger, quelqu'un qui n'est pas kohanim, qui fait birkat kohanim, il a envie de se mettre avec les kohanim. J'ai envie de bénir le peuple. Il ne faut pas le laisser faire. Il transgresse une mitzvah d'aseh. La Torah l'a dit au Kohanim de faire des fêtes. Pas à toi. Tu n'es pas un Kohen. Va filou halal shel divrehem. Même si c'est un halal, pas mis la Torah, mis des rabbanan. Il va nous dire c'est quoi. Kegon, par exemple, anolad me chalutza. Il est né d'une chalutza. Halutza, ce n'est pas vraiment une groucha, c'est une veuve. Non, non. C'était Halutza, divorcée. Oui, mais elle n'était pas vraiment mariée. C'était une veuve qui devait se marier avec le Yabam, mais ça ne s'est pas fait. Est-ce que tu la considères comme une groucha? Tu ne la considères pas vraiment comme une groucha, cette femme. Elle n'a pas été mariée avec son beau-frère. Des grouchas, mais des barabanan. D'accord, c'est une Halutza. Oui, mais elle n'a rien. Mais Minatora, a priori, ça devrait être moutard, parce que là, il dit que c'est Midrabanan. Il est né d'une Chalutza. Son père, le Kohen, il s'est marié avec une Chalutza, une femme qui a fait Chalutza. Son mari était mort, elle était veuve, elle n'avait pas d'enfant, elle devait se marier avec le frère de son mari. Elle devait faire le Yiboum. Mais ils n'ont pas fait le Yiboum, donc elle a fait Chalutza. Elle a été détachée de son beau-frère par ce geste de Khalitza. Elle est une Khalitza. Et non, on s'est capable. Midrabanan, ce Kohen qui s'est marié avec cette Khalitza, il ne peut pas faire de cas de Kohen, ni Midrabanan. Il n'y a pas le droit de se marier avec la Khalitza, Midrabanan, c'est ça? Ouais. C'est marrant, parce que là, les Rabanan, ils lui font sauter une mitzvah de la Torah. Mais c'est ce qu'il va expliquer tout de suite. Ah, il va dire ça tout de suite. Afalpish, en essayant de capaïm, i mina Torah. Bien que
faire Birkat Kohanim pour un Kohen, c'est une mitzvah de la Torah. Et lui, la Torah, il doit faire cette mitzvah. Les rabbins lui disent non, tu ne la fais pas. Mais je vais faire une avéra. Vous m'empêchez de faire une mitzvah. Le reverbe assez. Im amrulo la alot, yesh kohar beyad chachamim la akor davar min la Torah, beshal, beshev, veal dazerla. C'est ça la nekuda, on avait déjà parlé de ça. Ils ne lui disent pas de ne pas faire birkat kohanim. Ils peuvent enlever une mitzvah à quelqu'un, les chachamim, pas quand il veut la faire, on l'empêche. Il ne bouge pas de sa place, il ne fait pas la mitzvah. Tu ne l'as pas empêché. On lui dit simplement de rester à sa place, c'est tout. Et là, tu n'as pas la mitzvah, comme on a expliqué longuement. Si le kohan ne bouge pas de sa place quand on appelle les kohanim, est-ce qu'il a l'obligation de monter? Non, s'il ne veut pas bouger de sa place, il ne bouge pas. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas que... C'est, on appelle ça « chef ve'al ta'ase ». Tu restes à ta place, mais tu ne fais rien. On ne t'enlève pas la mitzvah de toi. Ça, les chachamim ont la force de le faire. Comment tu traduis ça? « Im amrulo la'alot ». Regarde. Alors, je reprends la ligne. Même que Birkat Kohanim, c'est une mitzvah de la Torah pour les Kohanim. Je reverbe assez. Et il transgresse une mitzvah assez. Imam Rolo la halot. Si on lui a dit, Kohen, monte, bouge-toi. Là, il est obligé d'y aller. Et s'il ne le fait pas, il transgresse assez. Mais pourtant, yesh kohar beyad bechachamim. Les chachamim ont la force par leur xérot. La accord d'avoir mis la Torah, d'enlever une obligation de la Torah qui repose sur une personne, b'chev ve'al tase, par le fait de chev ve'al tase, assieds-toi et ne fais rien. D'accord? Et là, c'est ce cas-là. Il ne bougera pas de sa place. Il ne fera pas la chose. Mitamze, et c'est pour cette même raison, Kol psulim midivre sofrim, tous les psulim, tous ceux qui sont inaptes midirabanan, par une xera de rabanan, par une takana de rabanan, enolin afilu amrulaem kmoshkatuv lemala. Ils ne montent pas, même si on leur dit monter. Non, maintenant que les chachamim m'ont dit tu ne bouges pas, ils m'ont dit tu ne fais pas la mitzvah, même si on lui dit monte, ils ne transgressent pas. Un olim, ils ne montrent pas à faire des quatre kohanim, à fil ou à amroulaem, même si on leur dit de monter. Moshkatou les malas, comme on a dit ça plus haut. C'est bien, si tu as. Je crois que j'étais pas là. C'est expliqué. Et la chab, chab, psoulim, c'est l'homme, il peine pgam, il peine pgamam. Par contre, les psoulim, les défauts, c'est l'homme, il peine pgamam. Les gens qui sont pas sous l'inap, pas à cause de leurs défauts. Yeshlaim la tset mi bet akneset kodem ritzé. Eux, ils doivent sortir. D'accord? Ils doivent sortir avant ritzé. Pour pas qu'ils soient dans un problème qu'au moment où on les appelle, ils ne montent pas. Donc, ils sortent avant. Shelo yomru aleem shem pegumim, pour pas qu'on dise sur eux qu'ils sont pas goum. S'ils ne veulent pas monter, ils peuvent rester ici et ne pas bouger. Et de peur qu'on va leur dire, ils ont un problème, c'est Kohanim. Pourquoi ils ne montent pas? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent avant. Comme ça, ils sont tranquilles. Ça ne paraît pas bizarre, mon coup. Non. Pour une raison, il est sorti. Ah, OK. Moshka Toucham, comme on l'expliquait plus haut. Mais Kolma, comme El Reuvalem, là, c'est par contre ceux-là, là, qui ne sont pas sous le Midra Banan, n'ont pas besoin de sortir. Mibet Akneset, c'est que Vancher Harami Manum Minisiat Kapaim, car puisque les Harami les ont empêchés, leur ont retiré cette mitzvah en quelque sorte, de Nisiat Kapaim, un ovrim klum, ils ne transgressent rien. Même si on leur dit monter. Un peu fin, tout ça. C'est un peu fin. Parce que du coup, ils s'assoient, alors les Harami, ils ont droit de. C'est un chef et l'autre assez. Voilà. Une grande choule. Dans la grande choule, tu as des Kohanim, chacun est dans une catégorie différente. Tu sais plus où tu habites. Il a dit qu'ils sortent, c'est pour pas que les gens ils commencent à parler sur eux, tout ça.
Mais si le gars, il reste et il ne monte pas, là aussi, ils vont se poser des questions. Ouais, ils vont se poser une question, mais lui il n'a pas d'obligation de sortir, ça qu'on va dire. Il n'a pas d'obligation de sortir comme les autres. Puisque les Rahamim lui ont interdit de faire Birkat Kohanim. Mais pourquoi ils lui ont interdit? Parce qu'à la base, il y a un gamme. Parce qu'il y a un petit problème. Et c'est ça qu'on ne veut pas qu'il parle de ça, non, les gens. Non, parce que la Khalid, il y a une zéra sur la Khalid, ça, à cause de la Groucha. Parce que la Khalitza, en quelque sorte, elle ressemble à la Groucha, parce qu'elle reçoit, c'est comme un guet qu'elle reçoit, cette femme du Yavam. C'est pas un guet, mais c'est comme un guet. Donc, si on va permettre la Khalitza, on va aussi permettre, on va continuer, on va permettre aussi la Groucha. Je pense que ça, la Takana de Chachamim, la Xera de Chachamim sur la Khalitza. Je pense que c'est ça. Puisque la Khalitza ressemble à la Groucha, si on permet la Khalitza Minatora, on la permet, les gens, ils vont vite faire le pas, ils vont dire même la Groucha est permise. Donc, ils ont interdit. Et ils ont la force d'interdire à quelqu'un de faire une mitzvah, parce qu'il est très possible que la personne, elle n'ait pas le chiyuv si elle ne bouge pas de sa place. Tu comprends? Les Chachamim ne peuvent pas t'interdire de mettre les tefillin. Parce que là, tu dois faire quelque chose, tu dois faire un geste. Mais si on n'avait pas le chiyuv si on restait assis, de mettre les tefillin. Alors, ça nous entière bien. Chef de l'otage. Voilà, chef de l'otage. C'est difficile d'expliquer cette notion-là. Ce n'est pas une mitzvah à laquelle ils doivent courir pour faire les kohanim. Comme nous, on doit mettre les tefillin tous les jours. Ils doivent courir pour mettre les tefillin. Il faut se débrouiller. Les kohanim, ils n'ont pas la mitzvah de courir pour faire birkat kohanim. S'ils veulent rester et ne pas faire, ils ont le droit. Bien sûr. Donc là, les chachamim peuvent l'empêcher de se lever. Voilà, c'est ça là, ce qu'il faut dire. Ils peuvent lui dire, tu restes à ta place. Et tu n'auras pas la mitzvah. De base, il n'est pas obligé, s'il veut. Non, s'il ne veut pas faire, il ne fait pas. S'il ne se met pas dans une situation où il est obligé, si on ne lui dit pas, monte. C'est pour ça qu'il est préférable qu'il ne soit pas là quand le Kohen, il appelle les Kohanim. Quand le Chazan appelle les Kohanim. Mais il n'a pas une mitzvah de courir pour faire Birkat Kohanim. Il peut rester chez lui tranquillement. Je suis au deuxième paragraphe, c'est ça. Aval Kohanim anim ne'im min nesiat kapaim mechamat aminag. Mais les Kohanim, donc, qui sont empêchés de faire Birkat Kohanim à cause d'un minag, par exemple, Kegon, bimkomot shenahagu shebetor zayin yemeavel uten onose kapav. Par exemple, dans les endroits où, quand quelqu'un il est en deuil, chazé shalom, dans le 7 jours de deuil, il ne fait pas birkat kohanim. Il peine chez un charoui de simcha. Parce qu'on n'est pas dans la simcha, dans le 7 jours de deuil. Mais là, il y a le lieu de simcha. Et ce kohen là, il est en deuil. Tu ne peux pas lui demander de faire birkat kohanim. Il est cassé. Il n'a pas de simcha. D'accord? Et ça, c'est un minag. C'est dit, mechamad minag. Vetov lève que avec un bon cœur, il ne peut pas faire ça puisqu'il est dans les Shiva. Que Moshe Matsinu Beitzrak, comme on trouve au sujet de Yitzhak, c'est d'actualité. Incroyable. Shetziva la asot lo matamim. Pourquoi il a dit de faire un bon plat, deux bons plats, avant de bénir son fils, il va me préparer deux bons plats. Pourquoi? Il faut qu'il mange pour faire la bracha, non. Kodem Shevarer. Pourquoi? Pour que ça lui amène une certaine simcha. Et il va donner une bracha avec la simcha. La bracha, elle doit se faire avec la simcha. Ou bien Medina Telouche Noagim chez Kozman, ou bien deuxième cas où c'est un minag de ne pas faire. Ou bien dans nos régions. שנוהגים שכל זמן האבלו תפילו עד י"ב חודש של אבי ואלימו וכל שלושים על שאר קרובים אינו נושא כפיו. Dans nos pays, où une année entière, pour un père ou pour une mère, le Kohen ne fait pas Birkat Kohanim. Même si c'est le seul Kohen. Wow. Ou bien 30 jours pour un proche. אינו נושא כפיו, אפילו אין שם כהן, אלא הוא, comme dit Dov. Même s'il n'y a qu'un seul Kohen dans la choule, il est dans l'année de son père, il ne fait pas Birkat Kohanim. C'est un minag aussi, ce n'est pas un din. C'est un minag. Afilu beyamim tovim, même si c'est un yom tov, il ne monte pas à faire Birkat Kohanim.
Une question, même si c'est son frère, par exemple. Si c'est son frère, il a dit 30 jours. 30 jours, ah d'accord. Okay. Si vous avez le Shulchan Aruch devant vous, vous pouvez voir vous-même. C'est marqué clairement. Vechol Shloshim, ou les 30 jours sur un autre proche, à part le père et la mère. Et non, on s'est capable, Afilou En, Sham Kohen Acher, et là où? Même s'il n'y a pas un autre Kohen, à part lui. Mais je ne sais pas si c'est notre Minag, nous. Je ne sais pas. On n'est pas arrivé à la fin de la halakha. Même si c'est un yom tov, sheno nikra sharui besimcha, car cet homme-là n'est pas appelé besimcha, il est dans l'année. Sharei asur leler le simchat nisuim, car on ne sait pas, car la preuve qu'il n'est pas besimcha, c'est que quand quelqu'un est dans l'année de son père, il ne peut même pas aller dans une simcha. D'accord? Donc c'est le deuxième cas ou deuxième minag. Je préserve. Bien sûr. Vouadine. Vouadine a covermet au bereg. C'est le même dîne pour celui qui enterre un proche pendant la fête. On sait très bien qu'il rentrera dans les Shiva après la fête. Il ne rentre pas dans les Shiva pendant la fête. Chare Asur, Bessim, Rakol et Motaregel, malgré tout. Il a interdit de simcha pendant toutes les sans doute ses fêtes. Afal pishadayin lochal alava avelut. Même si la avelut n'est pas tombée, mais c'est pas le moment d'aller danser, de chanter. Il vient d'enterrer son mort. Même s'il devient avel après la fête, mais pendant la fête quoi, il est normal. Mais il peut pas. Il peut pas aller à des smachot. Il peut pas danser. Il peut pas, etc. Rechena onen. Onen, c'est celui qui vient d'enterrer son mort. Il n'est pas enterré. Il n'est pas enterré. Ouais, le mort n'est pas enterré. Le jour de l'enterrement. Afilu b'yom tov, shehu chayav v'chol ha-mitzvot. Même si c'est un yom tov, où il est chayav de toutes les mitzvot. Kol makom, mais le charou b'simcha. Mais cet homme-là ne peut pas être b'simcha. Donc, le minag veut qu'il ne fait pas birkat kohanim. Arekulam chayavim la tzat mi betak meset. Il doit sortir. Mais ils doivent sortir au moment de... Où le Chazan appelle les Kohanim. Kodem shekore achatz Kohanim, avant que le Chazan appelle Kohanim. Shelo yavru ba'as, c'est pour pas qu'ils transgressent une mitzvata. C'est parce que là, on leur dit de faire la bénédiction et ils ne la font pas. Mais d'après le dîn, ils devraient faire. Mais le minag veut, comme ils n'ont pas la simcha, et la simcha est importante pour bénir, alors on leur demande de sortir. Voilà, c'est ce qu'il dit. D'après le din, ils peuvent faire birkat kohanim. Mais le minag veut que non. Maintenant, est-ce que certainement que ça doit être comme ça. Yesham la tzed kodem retse. Il faut qu'il sorte à quel moment? Avant que le chazan y arrive à retse. Deshelo yom ou aleem shem pegumim. Voilà la différence. Parce que s'ils sont juste au moment, on va dire ils ont un problème de gamme, ils ont un défaut. Alors, ils sortent bien avant. Comme ça, ils ne sont pas du tout là quand le chazan l'appelle. Et si quelqu'un dans l'assemblée leur a dit, tu vas monter birkat kohanim, va te laver les mains. Alors, a dit déjà quelque chose. La chayavim la lot. Là, ils doivent monter, ceux qui ont ce minag-là. Oh là là. Imam Roulaem, Kodem Sium Birkat Avoda, si on leur a dit avant la fin de la bénédiction de la Avoda, de Modim. Que des choses yavrou, bah, c'est pour pas qu'ils transgressent une mitzvah tassé. La chen lo yé bevatakneset, que shomrim la Kohanim litol yedem. C'est pour ça qu'il faut qu'ils s'arrangent pour sortir avant qu'on dise au Kohanim d'aller se laver les mains. Donc, qu'est-ce qu'il a dit là? Il est rentré vraiment dans une grande. Dans un grand pile-poule, le Mohazaken. Non, c'était facile. C'était. Il a expliqué donc dans le Nun-E que. Il a expliqué c'est quoi un halal, un Kohen halal. Il est né d'une union de son père avec une femme interdite pour lui. Ce n'est pas un Chas v'Shalom, un mariage interdit. N'est-ce pas? Il ne s'est pas marié avec une femme mariée. Mais elle était groucha, elle était divorcée. Un Kohen ne peut pas se marier avec une divorcée.
Donc, ils ont eu un enfant. Il s'est marié, il a transgressé, il s'est marié avec une de vingt. Un enfant, l'enfant, il est halal. Il n'a pas le titre vraiment de Cohen. C'est un zar, c'est un étranger. Il n'a rien à voir avec la Kéhouna. OK ? Après, il a expliqué que même pour Khaloutsa, ce n'est pas Minatora, c'est Midrabanan. Mais quand même, les Rabanan lui ont retiré ce titre de Cohen, Midrabanan. Ils ont le pouvoir de l'empêcher de faire Birkat Cohen. Et après, il est rentré dans l'histoire des Minagim. Il y a des Minagim qu'ils ne font pas Birkat Kohanim pour leur, quand ils sont dans l'année de leur père, etc., etc. Eux, il est préférable qu'ils sortent de la choule avant que le Chazan il arrive à Ritz. Nun Vav. Vechen Kohen Sheu Panouy Ve'eno Rotse Lissa Kapav. Il est libre. Panouy, ça veut dire c'est un bachour, c'est pas marié. Il est libre. Ve'eno Rotse Lissa Kapav. Il ne veut pas faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Mi Penesha. C'est à Charoui Beloïch, à Charoui Belo Simcha. Quelqu'un qui est sans femme, il est sans Simcha. Donc ce jeune Bachour-là, il est triste parce qu'il voudrait se marier. Et... Comment t'as su que Banouï se dit Bachour? Banouï. Comme Pounouïa pour une femme. Ouais. Alors si ce jeune Bachour-là, il est vraiment peiné que voilà, ça n'est pas assez. Il n'arrive pas à trouver un chidour correct pour lui, et donc ça le met dans la tristesse. Alors, il ne veut pas faire Birkat Kohanim, ils ne sont pas prêts à faire Birkat Kohanim. Alors, il faut qu'il se débrouille pour sortir de la choule avant que le Chazan n'ait pas le Kohanim. Chayav la tsat mifat haKnesset. Il doit sortir de la choule, Kodem kriyat Kohanim, avant que le Chazan n'appelle Kohanim. C'est le yom roulou la halot ou le litoliada pour pas qu'on l'oblige à aller se laver les mains ou lui dire de monter, que là il sera obligé et s'il ne le fait pas, il transgresse une mitzvah d'assez. N'importe qui de la choule qui lui dit. Ouais. N'importe qui. À code. Incroyable. Pas le chazan. Attends, il va dire quand même. Il va dire que. Va la minag ou chez nous c'est capable, va falpi chez nous nasou. Mais le minag veut que même un bachour il monte, même s'il n'a pas tellement, il n'a pas de simcha parce qu'il n'est pas marié. Il faut qu'il monte. Il faut qu'il monte. Parce que c'est une mitzvah. Ouais. Le minag dit comme ça. Et entre parenthèses, on dit comme ma com, Arot, c'est chez l'on lissa kapar, vela tset. Il veut ta knesset, elle mochim biodo. S'il veut sortir, tu ne peux pas l'empêcher de sortir. S'il veut sortir, il n'y a pas de problème. D'accord? On n'oblige pas quelqu'un à faire Birkat. Il n'a aucun chiyuv, on va faire Birkat Kohanim s'il n'est pas dans la choule. S'il veut sortir de la choule, tu vas lui dire non. Il n'y a pas de problème. Elle mochim biodo. Et surtout, ici, dans notre cas, chez Yeshua, Alma, il se mord. Il a de quoi tenir. N'est-ce pas? Surtout parce qu'il est baro, c'est ça que tu veux oui, dire? Oui, parce qu'il est choresh. Aval Nasouy. Aval Nasouy, chez Nishto Imo. Mais quelqu'un qui est marié et sa femme, elle est partie à l'étranger. Bien sûr. Elle dit, ah, voilà, moi aussi, je suis triste, je suis avec ma femme, je ne peux pas faire Birkat. C'est pas la même chose. Il te dit, Aval, Nassoui, Chien, Ishto, Imo, mais quelqu'un qui est marié, mais sa femme, elle n'est pas avec lui. Alors, Nossé, capable, il devrait encore, il n'y a aucun problème. Tu montes, tu fais des fêtes Kohanim, là, tu ne peux pas te permettre de t'esquiver. OK. Quand ça, la seule vie court, c'est bien. Nunzaïn, allez. Nunzaïn, on s'approche. Ça y est, c'est fini. C'est bon, hein? Je peux faire un sioum, là, avec une bouteille de cidre ou quelque chose. Oui, mais malheureusement, pour des raisons techniques. Les sanitaires. La santé est importante. Il n'y a pas que la santé, il y a aussi la santé sur Internet. Quand tu vas téléphoner à deux bouteilles de cidre, là. Tu vas téléphoner pour une bouteille de cidre. J'ai pris ça d'en face de Sinaï tout à l'heure. Nagou Bechal Medinatelou. Eliezer, on se déconcentre pas, on ne déconcentre pas son voisin. D'accord. Ne distrait pas. Mechila, Mohamed Moudin, Mechila. Pour moi, c'est pour toi. Arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. C'est le septième art. Tous les septièmes sont mes préférés. C'est ça que j'ai entendu. Il paraît que la goutte de cette planète regarde le cinéma. On a l'habitude, dans toutes nos régions, c'est El Nessiat Kapaïmela Biyomto. Aïe, 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 aïe. Birkat Kohanim, c'est Yomto. Et on est c'est le mina comme ça c'est comme ça chez nous aussi. Mishum chez Az, pourquoi c'est comme ça que Yom Tov?
C'est Ashruyim Besimchat Yom Tov. Parce que les gens sont dans la Simcha de Yom Tov. Oh là là. C'est un moment propice. Mais c'est incroyable ça. Mais Tov lève ou Yevarer. Quelqu'un qui a un bon cœur, c'est lui qui fait la bracha. Et donc les Kohanim aussi sont dans le monde Simcha. Et là, ils ont un plaisir à. Machaen Ken Bishar Yamime. C'est pas la même chose dans les autres jours. Shabbatot, oui alors. Afilou Bishabbatot. Même le Shabbat. Ils sont malgré tout préoccupés par leur parnassa. C'est quoi ça? Et par l'annulation de leur travail, il y a de l'argent à gagner, c'est Shabbat, on ne peut pas gagner. Pas possible, Shimbag. Et non pas, ils ne sont pas chérouillés, ils ne sont pas vraiment dans la véritable joie. Ce n'est pas le cas de Yom Tov, c'est marrant, parce que si tu dis ça pour Shabbat, tu pourrais dire aussi la même chose pour Yom Tov. Mais pourquoi en Israël, ils font tous les jours? Ça, c'est un problème, hein? Oh là là! Donc je sais que c'est un très gros problème. Quoi? Parce que la Morazakan, il a dit que si je pouvais instaurer des quatre coins tous les jours, je l'aurais fait. Ouais, mais tu vois, là, il amène une svara. Il dit que les gens, ils ne sont pas vraiment Bessimra. Le seul moment où on est vraiment Bessimra, c'est Yom Tov. C'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça. Mais non, c'est vraiment pas un chidouche. Alors, j'en ai. Même Shabbat. Yom Tov, et même quand c'est Yom Tov, En Nesiat Kapaim Elabit Filat Moussa. Oh! Pourquoi? Parce qu'on sort de ce c'est Yotzi Mazme Beta Knesset. On est proche de la sortie de la salle. Pas le matin. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Mais nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges. Tu ne vois pas humain, humain ou tout, tout, mais, tout pas humain. Voilà, c'est. Tu ne vois pas le mot humain? Mais pas des anges, je te dis là clairement. Voilà, on fait le Moussa à Moussa parce qu'on va bientôt sortir de la soule. On est content. Oh là là, c'est une catastrophe. Mais Yotzi vous libam. Et ils vont restaurer leur cœur. Ils vont se réjouir avec la simcha de Yom Tov. En simcha el abba. Beyayin. Donc voilà, c'est la vraie simcha. Donc on va bientôt sortir. On va faire kiddush, on va manger. Donc là, c'est le vrai moment de la simcha. Incroyable. Allez, il s'est pris pour un malade. Alors là, vraiment, je pensais que j'étais un malade. Il me dit non, tu n'es pas un malade, tu es un. Je sais que t'aimes la viande avec des. T'as vu un peu ça, Benaïch, toi? Mais toi, t'en es resté Israël, toi, Benard. Je ne sais pas si t'écoutes. Khamcha Khauta. Il a bon œil. Il a bon œil, hein? Ah, il t'a bon œil. Le Yom Kippourim. Quelle arnaque. Ah, et tu ne dis pas pour Yom Kippourim? Tu ne poses pas la question pour Yom Kippourim? Tu ne manges pas? Ouais, la Simcha. Pourtant, on dit qu'il n'y avait pas de jour plus joyeux que Yom Kippourim le 15 ans. Comme ça, bien sûr. Le Yom Kippourim, relève la question à l'Almorazak. Alors, qu'est-ce que tu dirais pour Yom Kippourim? On prend fait Birkat Kohanim. Tout le temps, pardon. Afalpi, Shen, Bo Simcha, Achila, Veshtia. Il n'y a pas la Simcha de Achila Veshtia ici. Mais là, il va changer la vapeur. Il a eu un Simcha. Tu es content d'être pardonné. Nashim Kapaim Bo. Comment Yom Tov? On fait Birkat Kohanim comme Yom Tov. Mi pene shiyesh bo simchat mechila ou slicha. Là, il t'a remonté là-dedans. Ouais, tu parles. Il y a la simcha, la mechila et de la du pardon. On se croit qu'on sort de qui pour les bons. Qu'est-ce qu'il y a? C'est en copie. Je suis reprogramme. Mais votre frère, à ce que je vois, est plus, disons, ambitieux. C'est le clinique là qui parle. Parallèle, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. On est au concours d'entrée, ça pour vous, ça c'est gay, ça fait grand. C'est pas votre papier, c'est du jet. Votre frère a bien influencé votre décision. Non, les études, c'est pas pour moi. Oui, il est toujours la personne forte. C'est la télé de Yabenaïs. Tout le monde, parce qu'on peut se couper aussi. Tu connais pas la différence entre le cowboy et le cowboy juif? Ah, ouais, d'accord. Non, j'ai coupé tout le monde. Cowboy, sauf moi, sauf moi, parce que je suis. Sur la je porte suis et des gains. C'est sûr, hein, c'est pas possible. Ouais, ouais, cowboy, non. Je suis, dans le tape sur la porte. Alors, je continue. Par contre, j'ai perdu la. Patron de la radio. Voilà, donc on est joyeux à cause du fait de la Mechila et de la Slicha. C'est ce qu'ils disent. Ou Doucha, Bekhodayom. C'est pour la Doucha qu'il y a, ou Bekhodayom, et pour la gloire du jour, ou Bekhodayom, avec les beaux habits qu'on a le jour de Yom Kippour, ou Mikamze, Yeshme, comment tu veux Simkapaim, Bo, Afil, ou Bechacharit. Pour cette raison-là, il y a des gens, il y a des communautés où ils font Birkat Kohanim aussi à Shachit de Kippour.
certains. Mais je comme moi, je ne suis pas un bon gamme benéila. Il y en a qui vont aussi de quatre connus, aussi benéila. C'est la fin. On revient sur Zéla. Il dit, il dit. Je suis un bon létien, mais je suis proche de la fin. Je suis à Tam, Béchar, Yom Tov. C'est la même raison que pour les autres Yom Tov. Ce que j'avais demandé, justement, c'est pas pour casser le jeûne. Oui, c'est la raison. Je vois que tu t'arrêtes, ça t'arrête, c'est bien ça. אבל יום טוב ויום כיפור שחל להיות בשבת, יום טוב וכיפור כתום שבת, לא היה ראוי, לא הייתי קורקט, לפי זה לבט על נשיאת כפיים ביום טוב, זה בשביל שיש בו קדושת נוספת של שבת, לא הייתי אפט, לא הייתי קורקט, דפרס קוביר דדיר, דניולה, נשיאת כפיים לבניקסון וכהנים, זה סי יום טוב, parce que Bishvil Shiyesh Bogdushat Nosefet, parce qu'il y a une Gdusha supplémentaire. Bien sûr. C'est le Shabbat. Et là, Shiyesh Mekom, moi, je n'ai pas qu'un, chez l'Olisa Kapayim, Biyom Tov Shechaliot Bejnet. Malgré tout, il y a des communautés où si Shabbat et qui pour tombe Shabbat, ils ne font pas Nesiat Kapayim. Pourquoi? Les Fishemin Agakohanim litvol de Nesiat Kapayim. Parce que les Kohanim se lavent les mains. Litvol, il dit, litvol, c'est pas. Se trempe au migvé, il vole. Mais Tovlim me erev yom tov, et il se trempe au migvé erev yom tov, et en niskakim le neshote em be yom tov, d'accord, il ne s'approche pas de leur femme, c'est yom tov, ou que shechal be shabbat, le ratsou le bat elaou. Par contre, quand ça tombe shabbat, ça pose un problème. Parce qu'il se trempe au migvé avant shabbat, mais shabbat, il y a une mitzvah de réjouir sa femme. Donc, là, ça rentre dans un problème parce qu'ils peuvent avoir un rapport avec leur femme et donc ils ne vont pas faire Birkat Kohanim. Donc il y a des communautés où on ne fait pas Birkat Kohanim, un Yom Tov, un Yom Kippour qui tombe Shabbat. Yom Kippour, il y a pas de... ouais, ils ont un problème de se tromper Kippour, le matin, c'est ça? La veille. Mais le matin, ils ont un problème de se tromper le matin? Non, mais ils se trompent la veille. Ah. Comme ça, ils disent. Le Mikvé n'était peut-être pas comme maintenant. Ah ouais, ce sera des kilomètres. Ouais. Okay. Le Ratzulit Bol Shacharit, voilà, il te répond. Mais le Ratzulit Bol Shacharit ne voulait pas se tromper le matin. Mitam Shilbar Besiman Shin Chavav, comme c'est expliqué dans Shin Chavav. Bon, je ne connais pas ce terme. Aval, Beyom HaKippurim, par contre, le Kippur, il n'y a pas de problème. Ça tombe Shabbat ou pas Shabbat, on ne s'approche pas de sa femme le jour du Kippur. Shechal va Shabbat, le Shayar Tamze, on ne va pas faire rentrer cette fille. Mikol Makom. Mikol Makom, Imleil, Yom HaKir, Yom Tov, Shechal Behem, Ed Bashavua, Sheuleil Tevila, Yishamesh Beyidval Beyom Tov, Aval, Aporshim, Nishotem, Beleil Yom Tov, Ve'en Tovlin, Be'erev Yom Tov, Shibush Gamur U. Je relis ça dans les mots. Mais quand ma comme imleil yom tov shechal be'ed bashavu, si un yom tov qui tombe au milieu de la semaine, c'est où? C'est le jour du migvé pour sa femme, d'accord? Alors bien sûr, il s'empêchera pas de faire la mitzvah avec sa femme. Mais il va be yom tov et le lendemain qui est yom tov, il se trempera au migvé yom tov. Mais ceux qui séparent les enfants. Avant la porche minishotem beleil yom tov, mais ceux qui se séparent de leur femme la nuit de yom tov. Ventovim be'erev yom tov. Alors, dans un cas pareil, Shibush Gamoru, c'est une grande faute. Pas une faute, mais c'est une erreur. Même qu'ils ont l'habitude de ne pas avoir de rapport avec la femme la veille de Yom, le soir de Yom Tov, mais si c'est un jour de migvé, il ne faut pas retarder. Si j'ai bien compris. Hein. Toutes ces raisons qu'on vient de donner, c'est pour expliquer le minag. La coutume, pour dire pourquoi on ne fait pas quand ça tombe Shabbat. Afshen b'am kedai levat el mitzvat asse shel Torah, bien que cette raison-là, cet amim qu'on vient de donner, ne sont pas suffisants pour annuler une mitzvah de la Torah, malgré tout. Mikol makom keshen korim kohanim enan ovrim klum. Mais puisque dans ces endroits-là, puisqu'ils n'ont pas le minhag de faire kohanim, donc il ne va pas appeler kohanim, le Chazan, il n'appellera pas Kohanim, n'est-ce pas? Donc, alors, ils ne feront aucune avéra. On ne les a pas appelés. OK? Et Nanovrim Kloum, ils ne transgressent aucune interdiction. Aval Mikomakom. Aval Mikomakom. Yesher Kocham, Shel Bene Eretz Israel, ou Sevivotem, Shel Nosim Kapem, Bechol Yom. Mais Yesher Koa. Bravo.
à tous les gens de Eretz Israël, s'il y en a qui nous écoutent, ou ceux vivent au TM, à tous ceux qui sont autour de la terre d'Israël, chez Nosim KPM Bechol Yom, où ils font Birkat Kohanim chaque jour. Que Tikkun Chachamim, comme la Takana de Chachamim, ou Mekayemim Gimel Mitzvot Asé Bechol Yom. Et ils font trois Mitzvot Asé. Ils n'ont pas, ils ne craignent pas le litvol de se tromper au milieu. Quoi, c'est trois mitzvot? Bah, peut-être c'est les varecha, Hashem et Yishmerecha. Non. C'est les quoi les trois? Se tromper au milieu. Enchoshim litvol. Gimel mitzvot, je ne sais pas. Il y a un likut sifot là-dessus. Voilà, c'est là qui ramène ce que tu dis, toi. Allez, dis-le. C'est un vrai good. Réécoutez si votre écoute est. Mais sous par chez Amar Admour Azaken, il racontait le Mourazaken a dit dans la faute. D'accord? De Aya Rotse Lea Chazira, etc. C'était qui au Mizvatase Zo. Là-bas, il dit. Pour que cette mitzvah assez là, il aurait voulu, Admor HaZaken, faire en sorte qu'on accomplisse cette mitzvah, C-E-D-T-E, pas cette S-E-P-T, d'accord? Cette mitzvah-là, il aurait voulu qu'on l'accomplisse tous les jours. Mais là-bas, il ne dit pas les trois mitzvot. Il dit sept mitzvah, une mitzvah. Là, il dit trois mitzvot. Bechol zelo ha-sabazer, mais il n'a pas fait. D'accord. Mais là, il dit 3000 votes. Je ne sais pas ce que c'est ce 3000 votes. Ça va, il faut réfléchir. Bechol shacharit musaf she'el nesiat kapaim b'medinot elu et tous les shacharit ou musaf dans lesquels nous ne faisons pas Birkat Kohanim dans nos pays. Il doit faire le kenou. Omer Hashem Yatzibur et le kenou et le kavotenu barechenu. Il doit dire donc dans la chazara la Birkat Kohanim. Afilu Kohen, même si c'est un Kohen, il le dit. Shelo manu la Kohen et la likrat Kohanim. Ce qu'on a interdit au Kohen, c'est seulement d'appeler Kohanim ou les akorotam, mais de leur faire lire. Vous vous rappelez qu'on avait dit que sans le chazan il est Kohen. Ce n'est pas lui qui doit appeler Kohanim, puisque lui-même est Kohen, donc quelqu'un du Kaal appellera Kohanim. Et ce n'est pas lui qui fait répéter au Kohanim, parce que lui-même, il est Kohen. Donc, il fait répéter au Kohanim, mais lui, il ne fait pas. Là, c'est un peu contradictoire. Alors, on a dit que ce sera quelqu'un d'autre qui les appellera et quelqu'un d'autre qui leur fera répéter. Mais là, dire en tant que Chazan, le Kenou, le Kavadou, le Barichon, etc., et faire la Birkat Kohanim, ça ne pose pas un problème pour un Kohen Chazan. Et là, l'ikrot Kohanim, ou la grotam, ou minatam, et je n'y bère les malades pour les raisons qu'on a expliquées plus. Aval lomar kar Kohanim, am kedoshecha, stam, belo kriya, mouta, le khatrina. Là, il n'y a pas de problème, il peut le dire dans le texte. Ben la chouche, ke she yishmeu, she yomu Kohanim, am kedoshecha, yomu alav, she ueno bichlal Kohanim. Ah, tu vas dire, oui, mais lui, il a dit ce texte-là parce que c'est un problème, c'est pas un Kohen, alors. On ne craint pas que les gens vont dire ça. Et là, les gens ils vont dire, ben Groucha, ce fils d'une Groucha, non. Ou Khaloutsa, le fils à Kol Yodim. Tout le monde sait dans la synagogue. Chez nous, ça ratifie la carreau que c'est comme c'est écrit comme ça dans le Sidour. Donc, ils ne vont pas commencer à faire des. Chez Mitam, Kayot, c'est basé, Moutar la Kohen, Nikrod la Kohen, Achar, les sapeurs, ou le Sefer Tor, le Mouchkatou, le. On s'arrête là? On s'arrête là. Bravo à tous ceux qui se sont associés au Shiur. Aujourd'hui, on avait un bon minyan. Hein, on avait, grâce à Dieu. Bravo, avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. 8h45. Oui, je sais. Bonne soirée.